Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plombe sur l'épisode de Mad Max. Donc, chers amis, on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Donc, 190, tiens, lieu, on n'a pas tout visité. J'imagine qu'il reste une mission à faire et du coup, il nous manque des endroits. Voilà, peut-être. Oh, il en manque plein même. Ok, pourquoi pas. Ici, on avait tout fait. Ici, je ne crois pas. On avait vu des archanges qu'on n'avait pas terminé. Donc, verrouillé celui-là, normalement, c'est. Voilà. Cela, c'est que je n'avais pas l'argent, c'est ça. 1400, je les ai maintenant. Pneu désert. Normalement, ce côté-là, c'est bon. Ok. Bon. Alors, on avait quand même amélioré la voiture à fond. À fond de chez fond. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il nous reste une mission à aller récupérer, à aller finir là-dedans. Je pense qu'on va commencer par ça. Et on va y aller directement de là, hein, de chez... Ou alors on y va de chez quelqu'un d'autre. Non, on y va de chez Pink Eye, parfait. Ou alors on y va de chez Black Freya. Deep Freya, pardon. Fantôme du passé, on y va de chez Deep Freya. En espérant que ça ne déclenche pas la mission. Je croise les doigts. Non, c'est bon. Ok. Je crois qu'il cause, donc malheureusement je passe, vite. Je voulais absolument pas voir ça. Hop. Il est là. Il y a une mission de décharge, on va aller avoir vite fait. Keep an eye out. No surprises. Bonjour. Freya has lost his flame. See over there. The flame is dead cold. Without it, he won't keep his flock of wildfire long. C'est tout ce que tu voulais dire? D'accord, 52 ferrailles en fait données comme ça. Pourquoi pas? Bah bonne recherche. Joy be us. Hop les. Hop les. Alors il y a l'extension de The Crew qui est sortie, Wild Run. Sachant que le jeu n'a pas tant évolué que ça, sauf au niveau de la conduite. Et qu'il n'y a pas autant de choses que je l'espérais dans ce jeu. Je ne vais pas revenir dessus, vous savez qu'il y a une grosse série sur la chaîne le concernant. En rapport avec le G27, qui est un volant avec un pédalier et un levier de vitesse de chez Logitech. Bah écoutez, je ne reviendrai pas dessus, hein, pas pour l'instant en tout cas. Je suis très déçu de la commercialisation du jeu. Sur le principe, ils avaient dit pas de moto, ils ont rajouté des motos, je trouve ça débile. Parce qu'ils avaient dit non, surtout pas, c'est un jeu de voiture, je trouvais ça intelligent de dire ça comme ça. C'est sur la route, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici? Juste de ferraille. Bah écoutez, on va le faire. Hop, on descend. Donc ouais, non, j'avais trouvé ça assez... C'est stupide de faire ce qu'ils ont fait. Enfin bon. Ce n'est que mon avis. Sur le principe... On est au bon endroit? Non. Non. Non, c'est bon. Attends, la munition est pleine. Parfait. Y a pas un ennemi? Bon. Bah écoutez, tant pis. Hop. Parfait. Bon bah ça aurait été rapide. Et une décharge. Une. Alors je les ferai sans doute pas toutes, hein. Je précise. Hop. Voilà, nous voilà partis. Oula, c'est quoi ce bruit de moteur?
Virage à gauche. Hop. Ça se passe plutôt bien. Alors, allons-y. This must be the first spot. Put up a flare to get the bearing. C'est parti, faisons ce que tu dis. Oula non. Hop, marquez le site. Et pas de musique, pas de son, rien. Marquez le deuxième point avec la fusée, d'accord. Ok. Oula, une petite tornade de sable. Hop, c'est parti. Et le deuxième point qui se trouve à 1 million de kilomètres. Oui, c'est ça. À peu près. Est-ce qu'on peut pas mettre des pneus spéciaux pour le sable? Ah bah parfait, on y est déjà. Cool. Cool, cool, cool. Hop, allons-y. Oh, les vieux bruits de moteur qu'il nous fait de temps en temps. Hop. She flies. Oh non. Moi c'est le She flies qui m'intéresse moi. Il est à fond le beau garçon. On a même plus le droit, on a même pas eu le droit aux flammes bleues cette fois-ci. Hop. Hop, fusée. Par contre apparemment il y a des ennemis. Raté. Bim. Bam, ça c'est fait. The Mighty Master. Donc c'est de ça en fait qu'il parle. Je précise. Atteignez le troisième point et observez-le avec vos jumelles. Non, mais non. Putain. Oh, le bruit de moteur des fois qui me fait ce jeu, c'est débile. Hop là. I think she said to look between the two flare signals. Just gotta find an overlook that shows the in-between spot. I see, I see. You have your ways. Finally inspired. No, no, where the angel flies, I too shall follow. Entre les deux fumées. This should provide a good enough view. You a what, Saint? There's nothing here? Only sand. Hop les. Hop. Entre les deux fumées. Ouh. Jumelles, ouais par contre alors le fait de rajouter un petit coude. Qu'est-ce que je suis censé voir? Ok. 1, 2. Putain, c'est le petit truc là. D'accord, elle est enterrée. Ok, c'était ici. Oh, c'est joli. Bon, eh ben allons-y. Hop.
I have not heard of this place before. The winds must have unearthed this tomb. C'est pas une architecture qu'on voit habituellement dans ce jeu. Sit tight. Yes, gladly. Hop, c'est parti. Hop, ne nous pétons pas les rotules. L'église, pause. Ouais, non, on va pas faire de pause. Par contre, au niveau des objets, on a quoi? Une relique et 13 ferrailles. Oh la vache. Big. Oui, c'est gros. Ça allait être habité aussi d'ailleurs. Ce qui ne me plaît pas. Mais alors pas du tout. Ok. Alors pour ceux qui m'ont vu flipper dans Fallout, qui m'ont vu flipper dans ce jeu, dans Mad Max, vous allez être servi prochainement normalement. Hop. Oh la relique. Hop. Vous êtes tous des porcs, vous avez tué tous les enfants de Dieu, vous brûlerez en enfer, l'océan se retire à cause de vous, Dieu vous prive de son eau par dégoût. D'accord. This was set up as an emergency shelter. De refuge d'urgence, oui. Oui, ça en a été un pendant un temps. Effectivement. Il y avait un petit bout de ferraille que je n'avais pas vu. Il y avait un rat au sol. Non, un scorpion. Un lézard. Hop. Mange le lézard. Mange le lézard, je te dis. Ouh. Oh, la bonne viande. Oh, la bonne viande. Moi, je serais intéressé par du serpent, mais ils en vendent pas par chez moi. Je vais dégoûter, ils vendent pas de serpent par chez moi. Bon, 6 sur 13. Hop. Voilà. On y va. On progresse. C'est quoi ce truc? On a l'impression que c'est utilisable. Non. Ce tombeau sera votre tombeau. Où suis-je censé aller? Ah, ici, peut-être. Oh, c'est creepy. C'est creepy. Ok. Donc oui, vous aurez peut-être l'occasion de me voir flipper vraiment. They're trying to shield themselves. Or shut someone out. L'un ou l'autre. L'objectif, c'est de survivre, surtout, à mon avis. Bon. Ah, y'a rien. How do I get past this? Oh bah. Ça me semble assez clair, non? On va allumer le feu. Allumer le feu. What? Ça a marché. Oui, effectivement, ça a marché. Et voir grandir la flamme dans vos yeux. Hop. Alors, ça nous en fait combien? 10? 10, c'est ça. J'essaie de réfléchir. J'essayais de réfléchir. Oh mon dieu. Cette phrase. Oh putain. M'en fous. Ça fait pas de lumière. Ouh, je l'ai bien vu pourtant celui-là. Ils barricadent themselves in here. Ah, ça remarche. They never came back out. Hop. On prend la ferraille, ça en fait 11.
Here they are. Just like she said. Oh la vache. Our pallet's ready for pickup. Better head outside. Je sens que ça va pas être aussi simple. Bon, c'est vrai qu'il y a une quantité de bouffe complètement ahurissante. Hein. Il me manque une ferraille. Il me manque une ferraille, putain. Où est-elle coulée? Putain, il me manque une seule ferraille. Non, non, jeu de merde. Où elle est? Où elle est, ma ferraille, bon Dieu? J'ai envie de manger de la nourriture, j'ai envie de ma ferraille. Oh putain. Donne-moi ma ferraille. Oh putain. Oh putain, j'ai les boules. Là, elle est là. Hop. Alors. Fuyons. Fuyons. Raté. Boum. Bouffe mon couteau. Donne-moi ton arme. Raté. 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 Crac. Et raté. Et bouffe mon couteau. Lumière. Raté. Bon, ça c'est fait, chers amis. Alors, est-ce que c'est bon? Réussir à mettre un coup de 25 coups ou plus, c'est parfait tout ça. Niveau guerrier de la route 75 quand même. On progresse. C'est pas par là. C'est par là? C'est par là. Hop! Crac, on remonte encore. Parfait. Non! Là, je m'en doutais. J'y ai pensé. Surtout, ne fais pas trop un angle droit avec le joystick, sinon ça va tomber. Gagné. Bon. Alors. Ah bah, surtout, ça va nous faire le truc d'Astico chez Pink Eye. Ce serait cool. Ce serait cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Ce serait cool, cool, cool. Marquez le site. Hop. On est bon. Ok. Notre pain quotidien. J'ai trouvé les vivres dont Pink Eye avait besoin. J'espère qu'elle respectera sa part du marché. Hop. Bah, vous savez quoi? On va se téléporter dessus. Pink Eye. C'est parti. Hop, je note un nom d'épisode. Voilà. Alors. Le truc à bouffe, il est où? Le truc à bouffe, il me semble qu'il fallait monter quelque part. Je crois que c'est là-bas. Faut que je monte ensuite à gauche. Et que j'aille tout droit. Hop. You're fast. Real fast. You got reflexes. Le voilà. Élevage Astico. Miam miam. Parfait. Et on a le droit à une cinématique parce que je crois que le camp est terminé. Tous les projets sont construits. On n'a pas le droit à une cinématique, on a juste le forteresse terminé. D'accord, ok, bah pourquoi pas. C'est pas grave. Alors, retournons la voir. I heard you went into the northern tunnels. There
red eye infestation there must be troubling to Scrotus. Allons-y. We're done prepping. My children are ready. The long journey awaits. Asseyez, votre bateau est terminé. I would ask you one last favor. Les escorter. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Intéressant. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. Je le sens pas, à chaque fois elle me dit ça. Ah d'accord, je vais gagner le véhicule. Outside with the dune barge and all equipment packed in tight. Good luck, traveler. We all need it. D'accord, ok, bah pourquoi pas. Ok, ben on va la faire. On va la faire. Parfait. Jusqu'au point de lancement qui se situe ici. J'imagine que ce ne sera pas si simple. What? What? C'est quoi ce virage qui prend? Oh bah ça va, il grimpe bien les côtes pour un camion. Par contre on n'entend plus le camion du coup. Eh, il va vite quand même en descente hein. Je suis surpris hein. Zéro accélération montée par contre hein. Alors zéro. Hop, on continue. Je crois qu'ils ont nettoyé le pont exprès d'ailleurs. Hop, la vague de dunes, ça m'a complètement stoppé. Enfin, la vague de sable ou la petite dune. Parce que la vague de dunes, ça ne veut rien dire. Mais c'est pas grave. On y serait déjà ? Et B, y a pas eu trop de soucis jusque là. Hello. Si vous here fermez. The boss. Company. Et maintenant? Maintenant, je suis censé aller où? D'accord. Merci le jeu de nous faire suivre de nous faire le suivi de quête. C'est vachement sympa. Hop. Hop les ratés. C'est bête, hein. Alors, continuons. Hop là. Ah, je suis à l'arrêt. Je suis complètement à l'arrêt, là. Ça m'a stoppé net, comme dirait l'autre. T'es sérieux? T'es pas plus solide que ça? Hop! Mince, je me suis trompé de route. Ah, pas assez de portée. Aïe. Et la roue. Raté. Ah, il lâche des mines en plus le sac.
Non, elle roule. Ok. Allez, tourne. Mais non, c'est faux. Hop là. Oh la vache. Ça c'est pute. Mais non. Mais non. Putain, c'est moi qui le bourre et c'est lui qui vient me... Mais non! Lâche-moi! Mais non! Mais en plus il tourne comme une merde ce véhicule! Non! Fais pas le con! Parfait! Ah! Virage! Oh, il fait demi-tour. Il a fait demi-tour. On y est? Ah non, pas encore. Oh merde. Allez. Oh merde. Dégage. Ah bah il se barre aussi, c'est cool. C'est juste le plaisir de me voir en flamme, non? Alors, on y est presque. I think I see it. Up front. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, le voilà! Wouhou! C'est moi! C'est ça? T'es pas sérieux? Mais y'a personne là-dessus! C'est pas possible! Oh putain! C'est juste pour ça? Je voyais quelque chose de beaucoup plus grandiose en fait. Madness. J'ai même pas eu envie de le lire. Ok. Oui, c'est de la folie, je suis d'accord, hein, au passage. Je précise. En deux mois, on les aura retrouvés à moitié morts, complètement desséchés. Enfin non, complètement mort, complètement desséché. Ils sont devenus du sable en fait, ils auront plus de peau, ils auront du sable à la place. Enfin bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon! Bah du coup on a tout fait ici. Là il nous reste encore des choses à faire j'imagine. Chez Deep Freer, putain brûlez-les tous, les fantômes du passé, ouh. On a de la quête. Bah on pourrait se rendre, on va se rendre chez Pinkai du coup. Et on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la pub, donc vous pouvez retrouver les liens dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le description de l'épisode à mon partenaire GameSolid.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie à vous de votre fidélité et de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.